Mince, je vais être en retard chez le directeur, moi. Vous avez rendez-vous avec le directeur? Ouais, avec le chargé de ressources comédiennes. Apparemment pour parler conditions de travail. Je parie qu'ils vont encore me demander une augmentation. Ah ouais. Comme vous dites, je vais devoir batailler sec pour pas vider les caisses. Sur ce point-là, je vous fais confiance. Enfin, merde. Ah tiens, vous me souhaitez bonne chance maintenant, ça me surprend de vous. Ah mais j'étais pas en train de vous souhaiter bonne chance. Ça ne peut plus continuer comme ça, monsieur le directeur. Les comédiens n'en peuvent plus. Il est de votre devoir de respecter leurs convictions. Ou sinon, on déclenche la grève généralisée. Alors déjà, calmez-vous, parce que je bite que dalle à ce que vous essayez de me dire. Je vous dis que les comédiens ne se sentent pas considérés comme tels, dans leur personnalité propre et intérieure. Toujours pas. Vous comprenez quelque chose, vous? Que dalle. Moi, j'ai juste compris qu'il a parlé d'intérieur, mais à part ça... Bon, je vous préviens, hein. Il n'est pas question d'engager une femme de ménage, hein. On n'en a pas les moyens. Oui, bon. Expliquez-vous simplement de façon concise. De façon quoi? Concise. Vous voulez que je m'engage dans l'armée? Il a dit concis, pas conscrit. Ah, comme les cercles. Comme les cercles... Non. Les cercles, on dit qu'ils sont circonscrits. Vous êtes sûr que circonscrit, c'est pas quand on se fait couper le bout du... Non, c'est pas la même chose. Vous êtes sûr? Sois certain. Bon, écoutez, trêve de bavardage. Expliquez-moi ce qui vous amène de façon courte. Ah, quand c'est court, là c'est circonscrit. Non mais sérieusement, ça fait 40 minutes qu'on est là-dessus, on n'a pas avancé d'un broc. Bah quand même, hein. Ah non, mais je peux pas lui donner tort. On sait toujours pas pourquoi les comédiens se sentent pas... C'était comment déjà Considéré à la valeur qui leur est propre. Ah, c'est ça, considéré à la valeur qui leur est propre. Ah oui, vous ne voyez vraiment pas. Et ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Un veston? Exactement! On fait malin, là, hein, espèce de phallocrate! Non, mais là, c'est trop débile, hein. Moi, je me casse, hein. Vous, le comptable, assis! Vous allez sortir votre chéquier, cette fois, vous allez raquer! Encore? Mais j'ai l'impression de passer mon temps à faire ça! Est-ce qu'au moins, vous pouvez nous dire quel est le problème avec ce veston? Enfin, c'est évident! Il est vert! Et c'est tout? Bah quoi, ça ne vous suffit pas? Bah, si vous voulez que je rate comme vous dites, va falloir m'en dire un peu plus. Ah, mais non, mais attendez, je crois que j'ai compris. C'est parce que les comédiens pensent que porter du vert sur scène, ça porte malheur. Attendez, vous nous faites tout ce pataquès pour une vieille superstition? Une superstition? Mais enfin, c'est très sérieux. On dit que Molière est mort sur scène parce qu'il était habillé en vert. C'est pareil que dit comme ça... Ah, mais non, mais vous allez pas vous y mettre vous aussi. Ah, Molière, quand même. Mais c'est n'importe quoi. Déjà Molière, hein, il est jamais mort sur scène, mais dans son lit, hein, voilà. Et puis en plus, il portait même pas du vert, il portait du gris, alors... Du gris? Oui, du gris. Mais c'est une catastrophe! La moitié de nos comédiens doit porter un costume gris sur scène pour la prochaine production. Ça va être une véritable hécatombe! Mais enfin, mais calmez-vous, bon sang! Mais comment voulez-vous que je reste calme? Vous apprêtez à faire une extermination de masse dans la compagnie? C'est vrai que ça se fait pas. Oh non, mais vous allez pas vous y mettre vous aussi. Oh, attendez, vous apprêtez à décimer la moitié de nos effectifs et vous voudriez que je me taise. Vous savez ce que ça va nous coûter en assurance? Mais c'est de conneries tout ça. Ah non, hein. Vous l'avez dit vous-même, hein, que Molière était mort sur scène parce qu'il portait du gris. Non mais j'ai jamais dit ça. Puis bon, attendez, moi je vous dis ça, souvent c'est moi d'abord, hein. Et puis bon... Du gris, ouais, on sait pas trop, hein, on n'est pas sûr, vous savez, à l'époque, et puis bah, et puis en plus, c'était même, je crois que c'était même pas du gris, c'était du, dans la pièce, ils mettent pas quelle couleur, les comédiens, déjà Du orange. Ah bah tiens, justement, quand Molière est mort, il était habillé en orange. Vous êtes sûr? Mais oui, j'ai vu les photos de l'époque. Ah, bah s'il était habillé en orange, alors... Alors, qu'est-ce que vous voulez? Bon, rien. Une histoire de superstition pour monter une pièce avec un nom anglais à la con, là. Un truc avec des Écossais. Macbeth? Ouais, un truc comme ça. Vous savez que c'est la pièce la plus meurtrière de l'histoire? Paraît même qu'elle porte malheur. Quoi? Ça va nous coûter cher en assurance, ces conneries.